Bon, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le Croix-Team sur les hauteurs du Revest. Bon là, pour l'instant, on descend parce qu'on est garé, on s'est garé une partie en haut, une partie en bas du barrage. Donc là, pour s'échauffer, on est monté chercher ceux qui sont garés en haut et on redescend tranquillement. Normalement, une petite boucle de 25 km avec 900 mètres de dénivelé. Enfin, je pense que ça va faire un peu plus en kilomètres d'ailleurs. Il fait pas chaud. Il y a du vent, le soleil se lève tranquillement. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même assez joli. Voilà, on va pas être mal. Donc on va aller grimper par là-haut là. Il n'y a presque pas de dénivelé. Allez, je vous dis à tout de suite sur le vélo. Voilà, c'est parti. Donc avec le groupe, on attaque. Ça descend sévère. On attaque une petite côte pour s'échauffer. Bon, juste pour dire, ça va être la sortie, on va tous mourir. Il y a Yann, il y a Doumé, il y a Henri. Je crois que ça va ramasser sévère. Allez, en tout cas, let's go Marijo. Bon, il y a comme un petit mur en face. Oh, je sais pas, on doit être dans du costaud là quand même. Je sais pas par où j'attaque, de front, pas de front. Par là, allez hop. Enfin, où je vais pouvoir, mais j'en sais rien. Bon, ça c'était l'apéro. Le plat de résistance, il est plus haut. Bon, juste pour rire, petit compte de ce qu'on a fait là pour l'instant. Donc 7 km 600 pour 600 mètres de D+. Moi je dis on est pas mal. Là, on est sur le plateau de Soublan, un peu de vent, ça caille du soleil qui réchauffe pas assez. Et on est pas mal.
Et voilà, si vous voulez, un mémorial. Bon, après, moi je dirais que ça c'est bien parce que c'est quand même du VTT quoi, c'est du home mountain, on passe partout, c'est ludique, c'est sympa hein. Je cherche pas le chrono, ça c'est clair. Bon, petite interlude, cette sortie, je pense qu'on aurait dû prendre deux cartes à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et celle de VTT. Et la troisième, celle d'orientation. Voilà, et peut-être les courses d'orientation. Peut-être aussi, on aurait dû prendre la troisième. Les champignons aussi, on aurait pu, ouais, c'est pas mal. Donc, en fait, là, on est un peu paumé dans une draille. C'est pas trop où. C'est le plateau de Soublon. Et on fait un peu, et du portage et de la marche à pied. Bon, après, le cadre est pas moche. Bon, on a retrouvé un peu de chemin roulable. Enfin, moi. Un petit peu seulement. Bon, on a retrouvé une draille à peu près roulable. C'est pas trop élevant, mais. Au moins, on fait du vélo. Oula, ça descend. Ah, c'est joli là. Oh, on peut faire une photo là. Elle laisse pas les cailloux au milieu.
Ça se tente ou pas? Ça se tente. Que ce coup-là on arrive vraiment en haut. Alors normalement on est venu chercher la pyramide de Cassini. Je sais pas ce que ça va augurer. Voilà, on est à la pyramide de Cassini. Vous verrez les photos. C'est joli. Enfin, c'est vraiment beau. La Sainte-Baume, le Mont-Côme, la Ciotat en face là-bas, je sais pas si on voit bien. On va à la Ciotat, le Côme, et puis vous voir descendre sur le Rodez là, tranquillement. Bon, c'est un peu caillouteux par ici, faut avouer.